Dieu a donc une volonté. Mais l'homme a besoin de comprendre la volonté de Dieu pour entrer dans la volonté de Dieu. De par sa définition, la volonté, c'est le fait de vouloir que quelque chose se réalise. En français, nous disons, lorsqu'une personne a envie que quelque chose se réalise, nous disons qu'il a la volonté. Et même Dieu a envie que certaines choses se réalisent dans nos vies. La volonté de Dieu pour un homme n'a pas commencé sur la terre. Mais la volonté de Dieu pour l'homme a son origine au ciel. La Bible nous dit donc, les disciples demandèrent à Jésus, comment devons-nous prier? La Bible dit, voici comment. Cela veut dire que Jésus était en train de leur enseigner comment est-ce qu'ils devraient prier. De tout le temps où les disciples étaient avec Jésus, ils ne savaient pas prier. De tout le temps où tu entrais dans ta vie chrétienne, tu n'avais pas compris comment est-ce que la volonté de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, voici comment, je viens te dire aujourd'hui, voici comment. Dis à ton voisin, voici comment. Voici comment. Alléluia. Amen. Voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si donc le règne de Dieu est venu, il n'accomplit pas encore la volonté d'un homme. Car lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il se retrouve dans l'incapacité d'accomplir ses désirs à lui qu'on appelle la volonté. Et Dieu a besoin d'un homme qui accepte que Dieu accomplisse sa volonté dans la vie de cet homme. Alors que Jésus leur dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a sa volonté que lui-même Dieu a établi dans le ciel, mais cette volonté que Dieu a établie ne s'accomplit pas dans la vie de l'homme à cause de Dieu. Nous parlons de Dieu. Il se voit dans l'incapacité de faire accomplir ce que lui désire. Parce qu'un homme n'a pas accepté de laisser Dieu travailler. Acclame Dieu. Acceptation de vous soumettre à la volonté de Dieu peut déterminer le type de vie que vous allez vivre. Quand une personne se soumet, nous comprenons déjà le type de vie que cette personne va vivre. Mais toute personne qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, lui aussi nous comprenons le type de vie qu'il vivra. Dieu
souhaite que tout un chacun d'entre nous prospère. Mais la Bible vient dire que Satan cherche qui dévorer. Si vous ne vous attachez pas à la volonté de Dieu, donc vous êtes attaché à la volonté de Satan. Ne faites plus personne être la volonté de prendre de l'alcool au lieu de prier. Il a choisi délibérément sans contrainte ni obligation de vivre une vie piètre. Et si vous choisissez de laisser Dieu accomplir sa volonté, celle qui est écrite dans la Bible, la Bible dit Dieu souhaite que tout homme soit sauvé. Donc par sa volonté de vouloir que tout homme soit sauvé, lorsque vous êtes en face d'une tentation et que vous dites je ne le ferai pas parce que Dieu n'aime pas cela, je puis alors vous regarder et comprendre que votre avenir sera meilleur. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme ne comprend pas la volonté de Dieu, il risque de fournir beaucoup d'efforts ou encore de ne pas en fournir du tout. Lorsque vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, vous risquez de fournir beaucoup d'efforts pour rien. Alors que dans la volonté de Dieu, il n'est pas permis pour vous en ce temps de fournir autant d'efforts. En ce temps, c'est le temps de face de Dieu paisiblement. La Bible dit donc, voici le jeune qui est agréable à Dieu. Dans la Bible, le vitala qu'il a recevé le sibisson dans un bain. Nous n'entrons pas en jeûne parce que nous voulons jeûner. Donc on t'attend à qu'il a été portolingi qu'il a. Nous entrons dans le jeûne parce que l'esprit de Dieu nous pousse. Donc on t'attend à qu'il a pas mon lit mon ensemble tout ce qui me saute au cul. Si donc je ne comprends pas la volonté de Dieu, ce qui veut dire ce sont les bocaux dans un bain. Je risque aussi de ne pas fournir suffisamment d'efforts. N'a pas qui peut comme il peut ça peut m'accasser belle tête. Selon Dieu, au bon ensemble. Pour toutes choses. Selon Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Mais le temps de faire et de ne pas faire est déterminé par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Prends ta Bible. Genèse 41. Genèse 41, verset 1er. Genèse 41, verset 1er. Ce texte, aussi long qu'il est, est très édifiant. Il met beaucoup d'efforts pour ne pas en fournir du tout. Parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible raconte dans ce texte. J'ai besoin d'une Bible, s'il vous plaît. La Bible raconte dans ce texte. Il y avait un homme, un roi, un chef. Qui était, c'est trop petit, qui était soumis, ma Bible est quelque part là-bas, qui était soumis à des difficultés. Mais comme il ne marchait pas dans la volonté de Dieu, il ne put savoir qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse. La Bible dit donc, au bout de 2 ans, Pharaon eut un, Pharaon a un vous pouvez recevoir un message de Dieu. Comme vous
vous n'êtes pas dans sa volonté, vous fournissez beaucoup d'efforts. Donc vous n'êtes pas dans sa volonté, vous fournissez moins d'efforts. Donc, du coup, vous ne faites pas ce qui est nécessaire pour vous de faire. Alléluia. Amen. Dis mon papa. Papa, avancez. Verset 3. Oui, verset 3, il obéit. Cette autre vache laide à avoir, laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle au du fleuve. Alléluia. Amen. Il y avait une révélation. Et ça, qui n'est bon, il s'est a parlé à cet homme. Oui, le bas qui n'a moto. Alléluia. Que cette vache maigre serait venue monter sur celle qui était grasse. Verset 5. Verset 5. La Bible dit, il se rendormit. Il y a des gens qui écoutent Dieu plusieurs fois. Mais parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils n'arrivent pas à discerner le plan de Dieu. La Bible dit, verset 25. Joseph dit à Pharaon. Joseph pourtant n'était pas celui qui avait reçu le message de Dieu. Parmi vous, il y a des gens à qui Dieu parle. Et vous n'arrivez pas à discerner le mouvement ou la volonté de Dieu parce que vous n'êtes pas en accord. Il y a un temps où Dieu dit à un homme, dors. Lala.
Le savez-vous? Oyez bien, non? Comme cet homme n'est pas dans la volonté de Dieu, toutes les nuits, il commence à prier. Le bon la santé, 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 vous n'aurez pas suffisamment de force pour combattre. La santé, la santé, la santé, la santé, la santé, parce que vous avez marché en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute volonté de Dieu pour nos vies. Vient pour accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, sika. Comment comprendre la volonté de Dieu? Le lendemain de Kososo la mokano nanzambe. Regarde-t-il avec moi, il dit amen. Première chose, pour comprendre la volonté de Dieu, il ne faut jamais avoir une volonté fixe. Vous ne devez pas avoir une volonté fixe. Que veut dire une volonté fixe? C'est une volonté que vous avez. Et que vous n'êtes pas sur le point de changer. Tu n'es pas sur le point de changer. Tu as déjà ta volonté que tu as déjà arrêtée. Oh, ton père qui interdit ce mariage est une bouche que Dieu a pu utiliser pour t'informer sur le danger qui t'attend. Votre volonté, lorsqu'elle est statique, c'est-à-dire elle est fixe, elle risque de vous empêcher de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Le fait d'être statique dans sa pensée, arrête votre raisonnement. Un homme ne doit pas être statique dans sa volonté. Quand le raisonnement est évolutif, chaque jour suffit sa grâce. Avez-vous compris? Lobby. J'avais une autre façon de voir. Les Écritures m'ont enseigné autrement. J'ai compris que mon raisonnement d'hier était une grosse erreur. Alléluia. Alléluia. Il faut m'aider sur lobby. Il faut lui un autre jour. Il faut m'aider sur tous les jours, il y a un danger pour ma santé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ces gens-là? Pasteur Asset. Merci, mes frères. Un grand Dieu. Merci. Alléluia. La volonté statique est une volonté que vous avez, que vous ne vous n'êtes pas sur le point de changer. La Bible nous enseigne sur une volonté statique. Les disciples allaient dans une autre ville. Si je ne me trompe pas, c'est Ninive. Ils allaient dans une autre ville. Et lorsqu'ils arrivèrent à la frontière, la Bible dit que l'esprit de Jésus leur empêchait d'aller de l'autre côté. C'est le même Jésus qui leur avait dit allez, allez. Mais c'est le même Jésus qui vient encore leur dire allez pas dans cette ville-là. Mais si les disciples s'entêtaient, la chose qui leur attendait de l'autre côté pouvait les tuer. Alléluia. Amen. Vous pouvez le lire dans Acte 16. Acte 16. Alléluia. Je crois que ça commence au verset 6.
Acte 16. Et le verset 7 dit, et verset 7, c'est l'Esprit de Jésus leur empêchait d'aller. Mon ayez, ils avaient leur volonté à eux. Mais Jésus est venu leur dire, l'Esprit de Jésus est venu leur dire, n'allez pas là-bas. Ma volonté, lorsqu'elle est statique, elle est fixe, il risque de me pousser à la désobéissance à la voix de Dieu. Je dois être un homme souple. Laissez mon esprit souple. Pour que je connaisse plus la volonté de Dieu qui est la meilleure au lieu de connaître ma volonté. Dis-moi un peu. Est-ce que ta fréquentation c'est la volonté de Dieu? Ta fréquentation. Est-ce que ta fréquentation c'est la volonté de Dieu? Il y en a qui refusent la volonté de Dieu. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose? Vous pouvez rencontrer un homme ou une femme. Mais cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne dites pas que chaque fois que je suis en route, je rencontre quelqu'un qui a mon cas dans sa vie. Il y a une vérité de totalité. Hérésie. Distraction. Et le diable, où l'as-tu mis? Le diable ne quitte pas ton chemin parce que tu es un chrétien. Le diable ne quitte pas ton chemin parce que tu es rempli de feu. Mais l'on ne vous trompe pas. Tu peux prier. Tu peux être un homme de prière. Cela n'empêchera pas au diable de t'affronter. Alors dis-moi, qui tu fréquentes? Je te dirai qui tu es. Ce n'est peut-être pas la volonté pour moi de Dieu d'être ami avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. En ayant une volonté fixe, vous commencerez à croire que votre volonté est aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Les disciples étaient des hommes de Dieu, oui ou non? Des hommes de Dieu. Hein? Vous vous imaginez? Vous organisez. À sentir cet esprit à son lobe nanga. Sœur, frère, on a la conviction que tokebe. Ta conviction n'est pas forcément la volonté de Dieu. Je parle des disciples, mes amis. Vous connaissez ce texte-là? Oui, mon capot. Tu sais que le fruit d'une conviction est un péché. Il n'y a vraiment pas de lecteur de la Bible ici. Tout ce qui est ou tout ce qui n'est pas. Tout ce qui est ou tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas fait. Tout ce qui n'est pas fait. C'est qui où? Très final. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien vous autres, vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que la volonté de notre vie, la volonté de Dieu pour notre vie, est écrite dans la Bible. Et comment la Bible? Vous allez comprendre au fur et à mesure que je prêche. Est-ce que tu comprends? Amen. Comme je lis pas la Bible, il y a ton voisin, tonneau. C'est-à-dire, le tonneau est vide. Il fait beaucoup de bruit pour rien. Nous sommes à la maquillée, il y a pas de bruit. Il y a un peu 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 de bruit.
tu es, mais tu n'as rien dedans. Rappelez-vous, dans le combat spirituel, on ne combat pas pour ce qu'on est, mais pour aussi ce qu'on a. Le verset biblique que je dis, que je connais, ce sont des armes spirituelles que je peux utiliser lors du combat. Moins je connais, moins je suis un soldat. Je suis une nouvelle recrue. Vous êtes des nouvelles recrues. Et les nouvelles recrues, on ne les envoie pas au front. Restez à la caserne, essuyez et balayez. C'est là votre place. Dis à ton voisin, yo, yo, on y va à la cuisine. La buanderie. Yo, on y va pour prendre sa gabarbitre. Alléluia. Amen. Dis-moi, papa, avancez. En ayant une volonté fixe, vous commencerez à croire que votre volonté est aussi la volonté de Dieu. La conséquence de croire que votre volonté est la volonté de Dieu est celle-ci. Ouvre ta Bible dans Ézéchiel 28, verset 6. Il y a une très grande conséquence. Quelque chose de très dangereux. Et là, pourquoi elle est calme? Quand un homme croit que ce que lui pense, agrée le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et là, pourquoi calme si elle est calme? Vous croyez que ce que vous voulez, c'est aussi ce que Dieu veut. Et ça peut vous emballer à l'ingui. Alléluia. Ézéchiel 28, verset 6. Ézéchiel 28, verset 6. Ouvre ta Bible, je t'attends. Je t'attends. Vous comprendrez qu'il y a des choses et il y a encore des foyers où certaines personnes se retrouvent unies et ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a des choses, il y a des gens avec lesquels on s'unit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses, il y a des églises où nous allons rester, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a même des hommes de Dieu à qui nous donnons nos têtes. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Un fils a donc deux pères. Un fils a-t-il deux mères? Mais il y a des gens qui, à cause de la renommée d'un pasteur, se laissent aller. La renommée du pasteur ne déterminera pas la volonté de Dieu dans votre vie. Et bien, dis l'enfant de monsieur. Amen. Ce n'est pas parce que le père du voisin arrive en klaxonnant que quand ton père vient à pied, tu ne vas pas le recevoir. Et ça ta terre, mon ton père reste ton père même quand il vient à pied. Conséquence de quoi? Que ma volonté est la volonté de Dieu. Ézéchiel 28, verset 6. Ézéchiel 28, verset 6. La Bible dit. Bibili et l'obi. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur. Elobi pour Yahweh. L'Éternel. Elobi pour Kolo Yahweh. Parce que, disons ça. Parce que tu prends ta. Non, toi tu es toujours comme ça quand on commence à lire quelque chose où tu te retrouves. Tu vas bien lire ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Deux points, allons-y. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de qui? Dieu. Et puis il dit quoi au verset 7? Voici, je veux venir contre toi des qui? Des personnes que tu ne
connaît pas. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont face à toi pour s'opposer à toi. Ils pouvaient aller déposer un dossier. Tout marche bien. À un moment, Dieu a bloqué. Vous n'êtes pas revenu pour poser la question à Dieu. Que dis-tu? Le lendemain, vous repartez sans avoir demandé à Dieu. Que dis-tu? Lorsque vous êtes à la recherche de quelque chose, tout va bien. Et un seul jour, tout va mal. Ayez le temps d'arrêter un moment, de retourner vers Dieu et de lui poser la question, que se passe? Alléluia. C'est alors que Dieu pourra vous dire continue ou arrête. Vas-y, ou n'y va pas. David avait remporté beaucoup de temps. Vous n'arrivez pas à discerner le mouvement ou la volonté de Dieu parce que vous n'êtes pas en accord. Vous allez pouvoir accueillir ma ensemble et puis je pas ma tosse à mon beau pour la vie. Une autre personne est venue parler à Joseph. Mais venir avec mon tour au Sudan et pour le Manaïos. La volonté de Dieu. Pour la côté, il s'est mon canon ensemble. Quelle était la volonté de Dieu dans ce texte? Ni les amis mon canon ensemble dans mon capo. Et que Pharaon, fasse les efforts pendant qu'il était encore temps. Il devait y avoir une famine. La volonté de Dieu en ce temps-là était que Pharaon travaille pour économiser. Quelqu'un dit à toi de Alléluia. Quand une personne ne connaît pas la volonté de Dieu, il risque de ne pas économiser dans le temps. Il y a des moments où Dieu ne souhaite pas que vous consommez votre argent ardemment. Alléluia. Si Joseph n'était pas venu voir Pharaon, Pharaon allait continuer son mode de vie comme d'habitude. Pharaon allait marcher dans l'opulence. Il allait manger comme avant. La volonté de Dieu était qu'il se serre un peu la ceinture, car il y a un temps de vache maigre qui arrive. Il n'a jamais cessé de demander à Dieu, monterai-je? Ou ne monterai-je pas? Alléluia. Amen. Nigolo Makamboze Simba, Maka Nandabu, Otu Nanazambe volonté na Eti. Keba. Nenge to Simba, on a eu Nigolo Bateke Nzambe Asana Simana. Dis-moi, papa. Dieu dit, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Écoute-moi bien. Lis ce texte. La suite dit quoi? Les plus violents d'entre qui? Va doucement. Les plus violents d'entre vous vous imaginez? Je n'ai pas pris le temps de demander à Dieu quelle est sa volonté. Dieu se fâche. Et tapetio. Donc il y a comment quand ça vient et Simba et Ayo Dota. Du coup, il envoie des gens que vous ne connaissez pas. Pendant que tu es en train de donner le dossier au directeur. Le chef du directeur. Subitement. Tout à coup, entre dans le bureau. La Bible dit, les plus violents, donc plus forts que celui que toi tu as devant. Il entre, juste au moment où le directeur devait signer ton dossier. Et chef Paul vient. Paul qui devait signer ton dossier dépose le stylo. Il se lève. Il sort avec son chef à lui. Pendant que tu restes là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne te souviens pas que le matin tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas quelle est la volonté de Dieu à cet instant. Au moment quand le chef a traîné, tu l'appelles, tu dis chef, on a assez là.
Oh Dieu, vois le combat qu'il y a dehors. Dieu a besoin que tu retournes à la maison. Que tu dises au chef Naroyaka, nous. À chaque jour suffit ça. Amen. Et quand je suis. Amen. Dieu veut que tu sortes de ce bureau. Vous avez pas dit que y a pile mal à bureau. Mais toi tu ne comprends pas. Yozo se solate. Alléluia. Quand je rencontre une difficulté dans une situation qui allait bien, dans quelque chose qui allait bien. Vous êtes mon acouté dans les camboros et aussi ma malame. Je me dis ça. C'est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun. Si Dieu a permis que je rencontre un directeur qui est en train de me pistonner, ce qui s'embête pour ce qu'il a coûté à la directeur à son tombeau. Il y a quelque chose que Dieu veut me faire comprendre. Je recule. Amen. Il faut donc reculer pour bien sauter. Acclame Dieu, je t'en prie. La Bible ajoute, ils tireront l'épée contre toi. Contre ton éclatante sagesse. Je me mets dans le Seigneur, dis-moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas trop sage, sinon ta sagesse risque de se retourner contre une pétrie. Dans la monito c'est ma caca. Yo, Zamba a certaine issue que ma caca est si mal. Imam on a tenu pour prier. Zamba a certaine issue que problème est zani. Imam on a le bas d'attaque n'a qu'est souba. N'a qu'à ta toilette ou n'a pas n'a rima de déposer. N'a comment. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans la vie de quelqu'un si la personne n'accepte pas que Dieu fasse accomplir cette volonté dans sa vie. Je sors de là et je me mets à prier. Je sors de là et je me mets à parler. Je sors de là et je me mets à déclarer. Je sors de là et je me mets à marcher sur toute puissance de l'ennemi qui s'élève contre mon projet. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible finit en disant, et ils souilleront ta beauté. Ils souilleront. Interprète-moi ça. Ils souilleront. Non. Il y a le mot souiller, il n'y a pas le mot essuyer. Ils souilleront. Ils tueront l'éclat. Amen. Sœur, de commencer à s'opposer à ton charme. Ton directeur devait signer à cause de ta beauté. Directeur, le moment qui a signé pour y aller un seul moment, Dieu peut faire qu'il baisse la tête. N'attend au moment qu'on pas signé qui dit ça. Quand il lève la tête, il a l'impression qu'il est en face d'un monstre. Tant qu'à tomber le mouton, abonner le quoi, il bosse dans les limites. Amen. Oh, moi, je suis belle. Tu blagues avec Dieu. Tu risques de devenir comme un monstre quand Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose. Dieu ne veut pas, il ne veut pas. T'as posé pas pour y aller. Je peux continuer. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que la volonté de Dieu que vous entendez se retrouve dans la parole de Dieu. J'ai dit, il faut que la volonté de Dieu que vous entendez, pour qu'un homme entende quelque chose, pour qu'un homme entende une parole, cela veut dire qu'il y a eu un autre homme qui
lui a parlé. Et là, il faut que les choses que les hommes te disent de la part de Dieu se retrouvent dans la Bible. Et je ça m'appelle la Bible. Sinon, ce qui il n'y a aucune orientation qu'un homme donne. Et ça n'a pas la côté au mot. Si cette orientation n'est pas biblique, c'est pas Dieu. Dieu ne commence pas à dire de nouvelles choses maintenant. Il n'y a rien donc de nouveau. Tout a déjà été fait. Toutes les paroles de prophétie que vous pouvez entendre maintenant, on les a déjà dit à quelqu'un d'autre. Et les autres en question sont les hommes de la Bible. Pour Marie de nuit, on a le mot là. Nana yo, il faut tout passer rapport. Sœur, yo, mais. Yo, mais. Donc, gagne ce bas. Zopa. Yo, ça, la Marie de nuit. Yo, il faut passer rapport. Na yo, pour y aller, mon ami de nuit. Alors, c'est un yo. C'est pas biblique. La Bible dit. Apportez tout ce qui est dans votre maison qui n'est pas de Dieu. Mais manio soro est dans la Bible. Auprès des hommes. Et qu'il le brûle. Batumba yango. Et qu'il le brûle. Batumba. Homme de Dieu, évangéliste de surcroît, docteur, dis-moi, est-ce que j'ai menti? Non. Mais vous, Asiyo, vous apportez. On met ma roue. Oui, regarde. Dis à Baba Bo. Mais non, sur ton corps, le serpent là ne travaille pas. Quand nous donnons nos cartes pour la terre. L'apôtre Paul dit, nous sommes de la même nature que vous. Si ça rentre chez toi, ça peut entrer aussi chez le pasteur. Ça peut pas le pasteur n'est pas devenu un morceau de bois. Pasteur a combien de temps dans il est soumis aux tentations. Il peut avoir la sienne, le pasteur, quand il fait chaud, il transpire comme toi. Pourtant, moi, ils n'allaient pas taper ton caca. Quand il fait froid, lui aussi, il transpire. Il peut avoir mal, il est allé par le caca. Il va aussi prier pour dire, papa, mon aïe. Il peut avoir la pierre à bord de la capia. Il ne reste pas là pour dire, non, la foule, maman, bon, au guitare. Amen. Je comprends donc que c'est la volonté de Dieu. Lorsque ce que j'entends est écrit dans la parole, ne fais pas. C'est un péché. Amen. C'est écrit dans la parole. Amen. La Bible dit, tu entendras aux enfants d'Israël. Lorsque ton pasteur se lève et il te donne un ordre, c'est la volonté de Dieu. À un conducteur d'ordonner les choses dans l'église. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne fais pas ça dans l'église, mais quand tu sors, Dieu te suit. Allez, retourne dans yo. Depuis que tu as refusé de faire ce que le pasteur t'avait dit, tu as fait ma vie. Ton voisin, c'est la parole de Dieu. En ce moment, chaque fois que nous disons des choses comme ça, vous dites, regarde les pasteurs. Chasse toi-même les démons que dans ton corps, on va voir. On verra. Même moi, lorsque j'ai un problème, je vais voir mon père spirituel. L'auto-délivrance est possible, mais l'auto-délivrance peut aussi ne pas être possible. Comme ça, là, il y a ce genre.
Il y en a qu'on peut chasser seulement en lisant la Bible. Il y en a qui vont résister malgré que tu connais la Bible. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que l'esprit et la parole sont toujours en accord. Si votre esprit vous dit quelque chose qui ne se retrouve pas dans la parole, il y a un problème. Si la parole, non, c'est pas possible parce que la parole est déjà écrite, donc ça doit aller seulement dans un sens. Donc si l'esprit te dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sœur, somba cuvette, somba seau, savon, savon, la noix, bougie à rose, bougie à rose, cela n'est pas dans la parole de Dieu. J'entends dire amen. Amen. Tant que ce que l'on vous enseigne ne parle pas avec la parole de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous parle. C'est la parole qui s'est faite chair. Et non le contraire, ce n'est pas la chair qui est devenue la parole. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut vous parler et vous dire que c'est la volonté de Dieu sans pour autant que ce qu'il dit ne se retrouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi amen. Amen. Dis avec moi amen. Amen. Vous ne comprenez pas quelle est la volonté de Dieu. Parce que vous ne lisez pas suffisamment la Bible. Vous vous souvenez? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est de Dieu. Jean 3,16. Il y a des questions comme tu. Quand tu vois, je pose là, pose-t-il. Alléluia. Priez sans cesse. Tu n'auras aucun Dieu devant ma face. C'est écrit où? Exode combien? Mais tu connais le numéro de téléphone que tu as, ni le, et le numéro de téléphone de ton copain, et le numéro de téléphone de sa mère, et le numéro de téléphone de ses filles. De... Vous avez des numéros de téléphone dans votre esprit que vous maîtrisez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on ouvrira, on vous ouvrira. Facile. Alléluia. Alléluia. Apprenez la Bible. Lisez la Bible. Votre code de vie se trouve dans la Bible. Les paroles que Dieu mettra à votre esprit pour vous dire oui, mon fils, je suis d'accord, se trouvent dans la Bible. Les paroles que Dieu mettra dans votre esprit pour vous dire non, mon fils, je ne suis pas d'accord, se trouvent dans la Bible. La Bible est un code de famille. La Bible est un code de bonne tenue. Il n'y a aucun civisme qui a été instauré sans avoir pris son inspiration dans la Bible. Amen. La Bible est un code juridique. La Bible est la plus grande science sur laquelle les médecins se sont appuyés pour faire des grandes opérations. La Bible dit, je transformerai, j'ôterai toute masse. Que mon Dieu n'a pas semé, je vais l'enlever. Oui, mais nous sommes amenés à mettre en compte qu'il est possible. Il y a une masse dans le corps de quelqu'un. Il y a la masse et de la remplacer par une autre. Dis-moi amen. Amen. Moi, la naïo, ça l'a fait impoli parce que autant qu'il s'accueille, Bible dit. Amen, papa. Moi, je suis à Koma et l'eau, à Koma et l'eau, parce que autant qu'il s'accueille la Bible. Amen. Je ne dis pas que je n'ai jamais aux autres ma Bible. Je ne dis pas que je n'ai pas de et l'eau, comme on a la télévision, ça c'est pour Satan. Même quand on va chez les gens, on met la musique mondaine, ils disent, ça c'est la musique mondaine.
Je leur dis, venez, comme on n'est pas chez nous, vous ne pouvez pas dire ça. Et toi, tes enfants ne t'ont jamais vu prier. Ils ne te voient même pas quand est-ce que tu lis la Bible. Ils ne t'ont jamais vu entrer en transe. Tes enfants ne voient que tu tombes seulement à l'église. À la maison, tu n'es jamais tombé par terre prosterné pour adorer Dieu. Tes enfants te prennent pour un super homme. Ils vont faire comprendre à tes enfants que tu n'es pas un super homme. Et que au-dessus de toi, il y a un super être. Lorsque mes enfants me demandent quelque chose et que je suis dans l'incapacité de leur donner, je leur dis, allez prier pour que Jésus me bénisse afin que je te donne. Vous ne faites pas comprendre à vos enfants qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous. Tout du coup, quand vous ne leur donnez pas, ils vont le chercher dans la rue. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut nécessairement chercher à ce que Dieu lui-même vous la révèle. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut chercher que Dieu lui-même vous la révèle. Je t'entends dire amen. Un bon homme de Dieu, lorsqu'il vous révèle la volonté de Dieu concernant votre vie, il commence d'abord par manifester l'onction prophétique qui vous donne les signes que Dieu vous avait déjà parlé avant lui. Quand vous allez en réception pastorale, et l'homme de Dieu vous donne des orientations sans pour autant manifester les signes prophétiques, il y a un problème. Ils disent quelque chose qui confirme que Dieu l'a envoyé. Amen. Sœur, consultation prophétique à combien? Hérésie. Vous avez même le culot d'aller dans la maison de Dieu. Vous êtes dans tout le monde. Et de demander combien est-ce qu'on paye la consultation prophétique. Mais tout n'a pas foutu à cargo. Dieu ne révèle pas la volonté à n'importe qui. Dieu ne révèle pas sa volonté n'importe quand. Pourtant, nous venons de dire que pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même vous la révèle. Mais je vous dis encore maintenant, Dieu ne révèle pas sa volonté à n'importe qui. Ni n'importe quand. Voilà pourquoi aux autres temps la Jérémie 33:3, un texte que vous connaissez tous. Jérémie 33:3 dit. Jérémie 33:3 est le but. Et dit. Le but. Hein? Je te quoi? Je t'annoncerai des choses. Je t'annoncerai des grandes choses. Ouvre la Bible. Pourquoi la Bible? Ouvre. Pourquoi la? Dieu ne révèle pas sa volonté à n'importe qui. Regarde ton voisin un moment avant d'ouvrir, de continuer d'ouvrir ta vie. Regarde. Et puis, pas nous là. Et puis, pas nous au capo. Diable. Diable, tu as la carte. Nini, au prière d'ici 3 heures. Et alors? Jamais on prie à 3 heures après, nous y avons la nouvelle là sur mon imba. Amen, papa. Alléluia. Alléluia. Jérémie 33:3, lisons. La Bible dit, comme invoque-moi,
je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses, comment? Cachées, que tu ne connais pas. Dieu ne révèle pas sa volonté à n'importe qui. Il révèle sa volonté aux personnes qui l'invoquent. Et personne ne peut invoquer Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. Vous invoquez en français. L'Esprit de Dieu l'entend dans une langue que Dieu seul maîtrise. La Bible dit que le Saint-Esprit filtre la voix de Dieu dans nos oreilles. Donc quand tu invoques Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, il y a ton voisin, Tono. Donc tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez. Premièrement, avez-vous compris pourquoi? Avez-vous compris? Pour que vous puissiez appeler Dieu, l'invoquer et qu'il vous entende. Lobelayo. Non, Seigneur. Amen. Est-ce que vous lisez?
Je t'annoncerai. Lorsqu'on annonce à quelqu'un quelque chose, c'est que la chose n'est pas encore arrivée. Quand on va y aller, ça va nous donner comme l'excuse comme on a dit comme ça. Le jour où votre père vous dit une chose comme ça, il a déclenché plus que ça. Bonne.